Vincent Moscato. RMC, le Kikadi du Super Moscato Top Jingle. Show. Le Kikadi du Super Moscato Show, nous jouons avec Fatima et Nicolas. Bonjour messieurs, dames. Fatima. Alors l'enjeu est magnifique, hein. C'est un très beau week-end pour deux personnes en Alsace. Yeah. Fatima, tu choisis ton équipe Moscato ou Dimeco ? Oh ben, Moscato, hein. Ah, voilà. Fatima, elle aime pas l'Alsace, elle veut pas y aller. Et voilà. Mais c'est le Lot-et-Garonne, elle Fatima, peut pas. Tu nous appelles, voilà. Appelles d'où, Fatima ? Pardon, je vous appelle du Lot-et-Garonne, dans un petit village qui s'appelle SOS. 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 Ah ouais, d'accord. Oui. Mais à côté d'où ? À côté d'Agen. À côté d'Agen même, d'accord. Très bien. Bon, t'es prête, on va gagner, Fatima. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, Moscato, Dorian, Fatima, bon. Marie, Zéric, Nicolas. Oh bah, question auditeur d'entrée de jeu, là. Fatima, Nicolas. Fatima, Nicolas. Allez, Nico, Mino. Qui est en tête du classement des buteurs en Ligue 1 ? Mbappé. Mbappé. Oui, c'est Mbappé. Bien joué. Nicolas de Saint-Gaudens. C'est presque un derby, là. Saint-Gaudens, côté, pardi. Bien entendu. Mbappé, 10 matchs, 12 buts pour Kylian Mbappé en Ligue 1. Et statistiques, ça veut rien dire. Et statistiques, ça ne veut rien dire. C'est pas mal, cela dit. Si c'était le pop, ça saurait quand même, Mbappé. J'ai pas attendu qu'il mette 12 buts cette année pour savoir qu'il était bon. Mais toi, tu viens de découvrir qu'il était bon parce qu'il a mis 12 buts. Ah, ça, tu vois, c'est comme s'il parlait à l'arbitre. Là, moi, je mettrais un peu les suspensions. Alors, ça fait 1-0 pour Nicolas, l'équipe d'Imeco et Vent GP. Qui qu'a dit ? Les Springboks, je pense qu'ils ont de bons joueurs. Devier. Et je ne crois pas que je sois dans leur plan. Voilà. François Stein. Montpellier. Allume et fume. Bravo. Montpellier, il croit plus la sélection, lui, tu vois. Ah, pourtant, il est pas mal, François Stein. Ouais, il a 35 ans. Ouais, mais bon, il peut rendre service. Nous, on le prendrait en équipe de France, lui. Ouais. Ah bah, il est capitaine, entraîneur, président, il prend tout, lui. Ça, ouais. Il nous masserait les mollets aussi. Donc 2-0 pour Nicolas, équipe Evan GP, Dimeco. 9 minutes et une éventuelle Golden Carotte à venir, Vincent. C'est le début de semaine, pourquoi pas. Bah, il y a 2-0. Question auditeur avant, ouais. Donc, face à face, Dorian Dimeco. Ah! Dorian Dimeco. Allez, Pierrot. T'as trop de tuste. Qui est ballon d'or de foot en 1990 ? 90. 90. Papel. Baresi Maldini. Ah, c'est juste avant Papillon. Van Basten. Donc ça doit être. Rijkaard. Gullit. Coupe du Monde. Attends, 2010. Quoi ? Quelle année tu as dit ? 90. Baggio. 90, les gars. 90. Ah ben c'est. Comment il s'appelle ? C'est la Coupe du Monde. Rummenigge ? Non, c'est l'autre, putain ! Mais le numéro 10 ! Mais oui, mais putain, mais non ! Ah, Mataos ! Oui, mais putain ! Mais non, je l'avais ! Mais que c'est ! Que Lisa, il sait que Lisa, il a le plâtré, Lisa, quand il est au Bayern. Oui, le Mintarf, Lisa Rasmus. Mais oui, mais je me souviens trop de lui ! Pourquoi j'ai pas... Mais oui, Mataos. Lothar Mataos. Mataos ou Mataos ? Je sais pas comment on dit. Ah, putain, mais c'est moi qui lui donne en plus ! Oui, tu vois, parce que je vois son visage. Alors après, entre Oliver Kahn, Brehme, Machet, je les embrouille tous. Le pire, c'est que j'ai regardé la liste. Je suis pas allé au-delà de 92. C'est incroyable. Ouais, c'est bien, ouais. Mataos, putain, je lui donne. Champion du monde. Ça va, Marie, tes oreilles, c'est bon. Ça va, Marie. Ah ouais, c'est pénible. Hein. Donc le score, c'est 2-1 pour Nicolas, équipe Dimeco et Vent GP. Qui a dit, les amis ? Un adolescent turbulent à côté. J'ai des palpitations, ça m'a donné des palpitations. Point café. Tu sais que c'est pas un sport pour moi, ça, le kick. Qui a eu ce point café serré. C'est très joli, les lunettes sur le crâne, Vincent, si je peux me permettre. Ouais, ça va bien. Comment ça va t'être trop chaud ? Très beau. Qui a dit ? Nous ne sommes pas des machines. Hugo Moulin. Qui ? Chapron, non. Simon. Non, il dit, bah, c'est normal que parfois on est des Brunel. Garcia. Des contre-performances parce qu'on joue tous les trois jours. C'est Genesio. Olaz. C'est... On peut dire qu'il a ému, il a ému Vincent la semaine dernière. Ah, aussi, Thiago Silva. Thiago Silva. Je l'ai pas vu. Ouais, et il a dit ça pas vu. Il a dit, nous ne sommes pas des machines. Pas vu. Alors, moi, il faut qu'on tourne, on est fatigué. Truc, Eric, en fait, quand tu cries comme ça me paralyse. Je ne vais rien dire pendant tout le kick. C'est pour ça que ta femme est partie, elle était paralysée. Donc le score, c'est 3-1 pour Nicolas, Maryse, Eric. Il reste 7 minutes. Ça, c'est paralysé. Moi, ça me tétanise. BFM TV. Leur cri de sucre. Concentration, on écoute le monsieur qui pose les questions. C'est une question BFM TV. Qui est dur, qui est compliqué, d'accord ? Ça arrive parfois. Comment s'appelle en France le secrétaire d'État auprès du ministère de l'Intérieur ? Le secrétaire d'État auprès du ministère de l'Intérieur ? On le voit souvent, là. Riester. Non, lui, c'est le ministre de la Culture. Moi, j'ai Riester. Il y a Christophe Castaner. Oui. Et à ses côtés, depuis peu, depuis que Castaner est arrivé,
Il a été préfet à Marseille d'ailleurs. Préfet et oui, c'est Nunez. Nunez. Ah, c'est ça, Nunez. Laurent Nunez. Et oui. Je ne l'ai pas dit avant. On le voit beaucoup en ce moment dans les médias, au vu de l'actualité. C'est normal, Vincent. 4-1 pour Nicolas Marizet. Qu'est-ce que t'as dit, Vincent? Je ne l'ai pas dit avant. Non, je crois pas. Tu l'as pas dit. Tu n'étais pas assez convaincu quand tu l'as dit. Je l'ai dit. Hein. Ouais, si tu l'as dit, oui. Bon. On regardera, mais je ne sais pas si Moscato est vengé, épée. Bon, après, s'il y avait quelqu'un qui servait à quelque chose en régime, ouais, on le dirait. Non, hein, mais il a... démerde-toi surtout. Mais rien, il n'a pas bougé. Mais je pense qu'il l'a dit après. Ouais, il n'a rien dit. Maryse, Vincent, non, c'est à vous. Dit, non, oui. Il reste 6 minutes dans ce qu'il a dit et une éventuelle Golden Carotte. Vincent, garde espoir. Tu peux garder espoir. Maryse, Vincent, c'est face à face. 4-1, mais 6 minutes, c'est long. Qui a dit le combat qu'on a livré avec Johannes Beu a été bien plus prenant pendant la Coupe du Monde. Marco Forcade. Ça c'était pour toi, ça c'était trop facile. L'autre. 5-1. Johannes Beu, monsieur Beu. Johannes Beu. On en a parlé 10 fois pendant les jeux. C'est le mec qui faisait une tonne de shit toutes les semaines. Non. Johannes Beu. C'est le mec qui fait 16 avec les Zodiacs, le 3 de Gibraltar. C'est le rival de Martin Forcade. Beu, on en a parlé. Ah ouais, non mais Beu, bien sûr. On a fait les jeux ensemble, on en a parlé tous les jours de Beu. Oui. Il y a plus, deux. Et là, t'aurais pu dire. Deux Beu. Allume et fume. Et oui, 5-1 pour Nicolas, Maryse et Eric. Il reste 5 minutes 15. Non, mais les bœufs fonctionnent par paire. Attention au bazar, messieurs, dames, s'il vous plaît. Oui, excusez-nous. Ah bon un peu de discipline, s'il vous plaît. Vas-y. Sabri Lamouchi, mise à pied. Vincent, voilà. Il n'est plus l'entraîneur De Saint-Etienne. Je savais cette question. Et tu sais que je c'est vrai ? J'aurais pas trouvé son nom. Ah, alors, ouais, bon, par pourquoi pas, Eric. Avec quelle équipe Lamouchi a réalisé le doublé Coupe championnat en tant que joueur. Coupe championnat. L'OM ? Non. Saint-Etienne. Nagy Auxerre, 96. Nagy Auxerre, l'équipe de Laurent Blanc. Tu sais pour qui c'était cette question ? Pour tout le monde ? Pour tout le monde, ouais. 6-1. Vincent, c'est maintenant qu'on démarre. Avec Lolo Blanc. 6-1, c'est maintenant qu'on démarre. 4 minutes, on démarre. Allez, c'est maintenant qu'on démarre. Allez, vas-y, on est parti. Pierrot. Comme Wilder. Allez, c'est maintenant qu'on démarre. Le chaos, pam. 4 minutes. Je t'ai électrifié plusieurs fois déjà. Et une éventuelle Golden Carotte. Question auditeur, ça va être de là. Fatima et Nicolas. À Rennes, Sabri Lamouchi a été mise à pied. Quel est le nom de famille de son remplaçant par intérim ? Stephen ? Comment ? Non, ça j'accepte pas. C'est Stéphane. Le fils ? Non. Ah, Stéphane. Stéphane, avec l'accent, Julien ça passe. Julien Stéphane. C'est trop tard. Fatima, malheureusement. 7-1. Ça, vous faites bien équipe, Fatima et Vaïssa. Vous dites 2 heures. Vous donnez 2 heures. Vous donnez 2 heures après, vous pensez que vous avez trouvé. Allez Vincent, c'est pas fini, 4 minutes, on sait jamais. 7-1 ouais. Pour l'équipe d'Imeco Maryse Nicolas. Julien Stéphane, le fils de Guy Stéphane. Oh, la décima Maryse, il y a longtemps qu'on aura pu faire le cucu rouge à eux là. Kikadi, par respect, je trouve que ce serait bien d'avoir pour la Coupe du Monde féminine la même paire de commentateurs, donc moi. C'est Margoton. Elisa. Bien joué, Grégoire Margoton. Mais un pérou. Il dit qu'en fait, on devrait traiter la Coupe du Monde de filles pareil que celle des hommes, donc même commentateur. Voilà. Ça fait 7-2. 7-2, 3 minutes 30. Ça va être sympa de commenter la Coupe du Monde des filles, en tout cas. Ben grave, en France, c'est magnifique comme compétition. Et Vincent, d'ailleurs, tu seras de la partie, je crois. Mais bien sûr, moi, le foot féminin, j'adore, moi. Tu vois ? Parce que c'est. Tu mets du temps, tu t'as qu'à perdre du temps. C'est tellement lent que tu mets du temps à. Si on a une chance, c'est là, il faut enchaîner les questions. Hein. question auditeur. Marise. Fatima Nicolas. Allez, Nico, Minon. Allez, Fatima. Mbappé, par rapport à ce qu'il vaut en transfert, en salaire, il fait un mauvais début de saison. On va me dire qu'il a mis 12 buts, ok ? Mais gardez vos stats avec vous, ce n'est pas si extraordinaire que ça, ce que fait Mbappé depuis le début de la saison. Qui a dit ça ? Fatima et Nicolas. C'est une voix très connue d'RMC, le soir, tard. Riolo ? Daniel Riolo. Ouais, je suis langue, détente-moi. c'est ça. 8-2. T'as vu Vincent, il fait pas dans la langue de bois, Daniel Riolo, t'as vu il égratigne Mbappé, quoi. Il a pas tort, hein. C'est là où la limite des statistiques. Il fait un mauvais début de saison. Et Neymar. Neymar, il a 11 buts en Ligue 1. 11 buts, mais alors... 8-2 pour l'équipe Maryse-Éric et Nicolas. Vincent, concentré. Oh, le but, ça fait 500 000 le but. Face à face, Moscato et VanGP. Ah ouais, alors, je vais te crever. Alors là, si tu lui fais un aller-retour, Maryse, tu me régales. Chaque année, si tu lui fais droite-gauche, il y a une opération qui s'appelle J'aime ma boîte, tu sais, pour savoir si tu connais bien ton entreprise, t'es heureux de vivre dans l'entreprise dans laquelle tu travailles. Donnez-moi le nom de famille juste du correspondant d'RMC au sport à Toulouse. Eh bien, Edouard G. Non, c'est bien.
C'est Templier. Wilfried Templier. Bravo. Édouard Templier. Bonne réponse. 8-3. De Vincent Moscato. Ça, c'était cadeau parce que quand il va travailler là-bas, il va travailler tout le temps là-bas, bien sûr, c'est Wilfried qui le reçoit à la maison. Le dernier. Toi, je suis jamais allé chez Wilfried alors que lui, il a son rendez-vous derrière là-bas. Mais oui, le dernier. Tu sais quoi ? Moi, je sais même que Vincent va chez Wilfried quand Wilfried n'est pas là. Alors que le préfet de Marseille, tout le monde le connaît. Bien entendu. Muniez. Tout le monde le connaissait, Muniez. Nunez. Non, mais ça quoi. Déjà, Nunez, on te dit, c'est. Allez, une minute. 8-3 pour qui c'est Nunez, le vitaliste du Marseille. Une minute, il y a de l'écart au score, mais la Golden Carotte est toujours, toujours présente. Possiblement elle présente. Elle n'est pas aujourd'hui, t'inquiète, va. Qui a dit cette personne a fait une mise au point. Ouais. Qui a dit ici, on m'appelle par le nom de ma région, comme toutes les autres. Pécresse. Non. Comme toutes les autres, pas par mon nom. Je suis logé à la même enseigne que les autres. Arrêtez de dire que je suis favorisé par mon nom de famille. C'est le FMTV, les gars. Le Pen. Non. Ici, on m'appelle par le nom de ma région. Oui, bah bien sûr. Et elle veut surtout pas que ses concurrentes croient qu'elle est favorisée. Varane. Mais oui, c'est la petite Varane. Annabelle mon Varane. Dieu, c'est la petite Annabelle. La petite sœur de Raphaël Varane. Je pensais que c'était de la politique. Moi. Candidate à l'élection de. Tu sais qu'elle. Non, mais il y avait le générique. Moi, j'avais le générique. 20 secondes, soit Golden, soit rien du tout. C'est Miss France. C'est la petite sœur de Varane, Vincent. Est-ce que tu sais qu'elle va gagner? Possible. Alors, elle est dans les trois favorites pour moi. Élection de Miss France. Il y a Miss Guadeloupe. Bientôt. La petite Varane. Et la troisième, c'était. Fred, il faut faire quelque chose, il faut le dire. Alors, maintenant. Il reste. Prendre son courage à deux mains et parler à la personne qui présente le Kikadi, en l'occurrence Adrien c'est et moi. C'est fait, Pierrot. 5 secondes dans ce Kikadi du jour. C'est bon, lundi. On a gagné, Marisol. Je vous annonce, Vincent, officiellement, non que la Golden 40, c'est pas aujourd'hui, Vincent. Allez, c'est gagné pour Nicolas. Nicolas, tu gagnes un week-end en Alsace pour deux personnes. Bravo à toi, Nicolas. Ciao, Fatima.